Oh là 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 là, but pour le FC Jebsheim Inzenheim à la 4e minute. Oh là là, une belle parade de Damien parce que les jaunes avançaient sur l'aile gauche dangereusement. C'est pas fini, le FC Jebsheim mène toujours. Voilà là. Mais encore une belle action de Damien parce que c'était dangereux tout de même. Julia Duchamp sur Gabiche. Gabiche toujours. Gabiche qui tente de récupérer ce ballon et c'est chose faite. Gabiche récupère ce ballon, il file comme une fusée en direction du but. C'est pas fini. On a beaucoup franc pour l'instant d'Alsheim. Eh bien non. Nouveau, Gabin toujours. Gabin qui bute sur une défense solide. Mais c'est pas fini. Mika pour un coup franc assez intéressant. C'est pas fini. Ah là là, c'est tout près, c'est tout près. C'est toujours pas fini. Et ben c'est fini. Une belle action pour l'AS Sandalsheim, on a failli égaliser. Encore un arrêt de Damien. Il n'était pas très dur, mais encore fallait-il le réussir. C'est chose faite. Oh là là, ça joue en... Ça joue en 1-2 là entre Mika et Gabin et c'est intéressant, oui. La première, l'arrière. Bon. Ok, ça marche. Un coup franc très important alors que la AS Sandalsheim est toujours menée 1-0. Gabiche qui le tire. Oui. Ah oui, c'est magnifique. Quel magnifique but! Bien joué Max! De Max! Oh là là! Égalisation de l'AS Sandalsheim en ce deuxième coup, tour de Coupe d'Alsace. Et encore une belle action du FC Jebsheim, mais heureusement Damien veille. Et la défense aussi à l'image de Caïs, donc c'est le premier match officiel. Qui effectue la relance. Récupérer cette balle. Gabiche a trouvé Max sur la droite. Max légèrement en retrait encore sur Gabiche, c'est pas fini. Oh là 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 là, c'est bien les garçons. Gabin qui va tirer un corner assez important. Max, allez Max! Pas fini. Presse, mais oui, il faut presser. Ah, c'est pas mal joué, c'est pas mal joué. Heureusement, l'attaquant de Jebsheim rate sa reprise parce que c'était pas mal. Coup franc important pour Jebsheim en fin de première période. Il y a toujours un partout entre les deux formations. Penalty pour le FC Jebsheim à quelques minutes de la fin de la première période. Et le tireur trompe habilement Damien. Et le FC Jebsheim mène 2-1 juste avant la mi-temps. Caïs qui vient de subtiliser cette balle
au FC Jebsheim, c'est bien fait. Ben sur la gauche, Ben qui est victime d'un coup franc, mais l'arbitre ne siffle rien. Yann accompagne cette. Belle action de Jebsheim. Mais il y a deux partout puisque Ben vient juste de marquer pour la S Andolsheim. Magnifique arrêt de Damien en début de seconde période. Il n'y a rien monsieur l'arbitre. Il n'y a rien du tout monsieur l'arbitre. Nous sommes d'accord. But pour le FC Jebsheim refusé pour un hors-jeu évident. Belle intervention de Lucas Dacosta parce que c'était chaud pour Ando. On réclame un pénalty mais l'arbitre ne tombe pas dans le panneau, il n'y a pas pénalty. Un beau tir, mais Damien veille.